Eh bien, salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur PES 2018 pour la suite de la compétition de la Ligue 2 pour cette 24e journée. Et aujourd'hui, nous allons jouer face à Orléans. Allons-y, c'est parti pour le premier match, car je rappelle qu'il y a deux matchs à chaque fois. Maintenant, jusqu'à temps qu'on finisse la compétition de la Ligue 2 pour passer à autre chose, pour pouvoir faire une petite pause sur les jeux de foot, car la Coupe du Monde arrive très bientôt. Donc il faut que j'essaye d'installer un petit mode pour pouvoir faire la compétition de la Coupe du Monde entièrement. Bienvenue, merci de votre fidélité. Vous tombez à pic, les joueurs sont dans le tunnel, alors laissez-nous vous présenter cette rencontre. Et voici donc le Racing Club de Lens contre Orléans. Un nouveau rendez-vous de football. Grégoire Margoton et Darren Tulette aux commentaires. Bonjour Darren. Hello Grégoire et hello à vous aussi chez vous. Elle est au Stade Bollaert, il pleut à verse, comme chez nous en IRL. FIFA, c'est quand même mieux faire. De toute façon, FIFA 2019, oui, je l'achèterai, bien sûr. Mais PES, non, ça sera terminé. Domicile en ce moment. PES 2019, je ne l'achèterai pas. L'US Orléans qui peut construire. Cambon maintenant. Le Racing Club de Lens, qui est quasiment hermétique en défense depuis ses 5 derniers matchs. C'est joué long, attention. Attention la frappe! Voilà, complètement raté là. Précipité, tout ça, complètement il doit raté. L'information pour savoir s'il n'a pas mieux à faire. Il a frappé vraiment trop vite. Vraiment n'importe comment, j'avoue. Les premiers, n'est-ce pas? Ça devrait les mettre dans de bonnes dispositions pour la suite. Et bon, on verra bien. Il faudrait se projeter un peu plus pour être dangereux. Alors qu'on attend encore l'ouverture du score. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Il joue dans l'espace, c'est bien donné. Il file dans l'axe, allez, c'est dangereux! Oh, mais il rate toutes les occasions que je mets. Le timing était parfait. Alors, elle était bien. Mais il rate tout. Il rate tout. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Non, 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 non. Ça c'est mal fait, c'est mal joué. Et c'est directement récupéré. Il est passé. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Voilà un coup franc intéressant. Il pleut, donc j'ai glissé. On dirait qu'il s'est blessé sur ce contact. Il pleut, donc j'ai glissé. Mais. Oh, mais. Mais sérieux, vous? Vous pouvez pas me laisser jouer tranquille? J'ai pas fait exprès, vous avez bien vu, il pleut carrément. Il pleut des cornes. Mazou. La passe dans la profondeur. Il continue sa course. Il a pris tout le monde. Faut tirer là. Et ça ne passe toujours pas. Bon, il est plus là, machin là. Comment il s'appelle? Ça va finir par entrer. Je me rappelle plus son nom. Non, je me souviens plus du tout. Allez. Alors, que va-t-il faire? Il écarte, il joue sur l'aile. Ah, il est bien monté. Il est tout seul. Le bon dribble.
Nahazou. Il tente de la jouer dans l'espace. L'arbitre signale une faute. Oh mais non, mais l'arbitre mais signale pas de faute. Il n'y a aucune faute. De où t'avais une faute, hein? Les Orléans qui essayent de construire. Ça manque un peu de solution. Chantôme qui met bien le pied. Coup de sifflet, fin de la première mi-temps. Bon, c'est vrai qu'on reste un peu sur notre fin niveau but, mais les choses pourraient, les choses vont se décanter en seconde période. Ils n'ont jamais vraiment été inquiétés dans cette première mi-temps. Le crédit revient. Je vais toute l'équipe, ils ont défendu de prendre partout, ma manette très, très blanche pour les prochaines vidéos que je ferai. 0-0, et celle-là, celle-ci, je vais la mettre par là. Maintenant. Ou alors je vais reprendre mon ancienne. Non, je vais garder celle-ci. On va l'user jusqu'au bout. Non, c'est parce qu'en fait, je vous explique quelque chose. Il y a ce week-end, j'ai été malade et j'ai vomi sur mon bureau. Et le truc, bon, il y avait la manette. La manette, je l'ai nettoyée. Et les touches collent un peu, on dirait. J'ai obligé de forcer pour. C'est pas évident. C'est une occasion, ça. C'était presque. J'ai cru qu'elle était dedans. Ah, c'était ambitieux, c'est sûr. Et à cette distance, il aurait fallu un exploit pour battre le gardien. J'ai cru qu'elle était dedans. La passe en retrait vers son défenseur. Putain. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Repiqué dans l'axe peut-être. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Bien joué, ses passes en profondeur sont toujours dangereuses. L'US Orléans qui cherche l'étincelle. L'US Orléans qui cherche l'ouverture. Il peut pas dire Orléans au lieu de dire tout le temps US, US. Ouais, et là, faudrait peut-être que je gagne ce match. Donc, toi, ta gueule. Qui n'était pas régulier, coup franc. Oh, le rouge. Oh là là. Il va donc jouer à 10 après cette explosion. Eh, coucou, il a fait coucou au rouge. Hein. Mais il a rien, c'est bon, j'ai juste cassé la jambe, c'est tout. Putain. Non, non. Pour trouver la faille dans la défense. L'accélération. Il y a peut-être un coup à jouer. Le tacle est très propre. Là, il a préféré jouer la sécurité. Les deux équipes doivent faire attention au contre maintenant. Il faut garder ce ballon, faire tourner, être patient et saisir sa chance. Voilà, enfin. Oh, il bute, le but. Et il a dit, ouais, faut frapper là. Ouais, mais j'ai déjà frappé depuis au moins 3 et secondes. Voilà, hein. Le risque quand on perd le ballon au milieu de terrain. Une mauvaise. Et une mauvaise. Quelques secondes plus tard, on s'en prend. Exactement, on s'en prend. C'est le dernier changement, ultime moment de coaching pour l'entraîneur. Il était fini, crevé, carbon comme vous dites. C'est clair qu'il fallait le faire sortir. Bien, c'est reparti, ça fait 1-0. Ils méritent de mener, mais ils vont devoir batailler dur pour conserver leur avance. Il n'y a pas faute. L'US Orléans qui peut construire. Une seconde seulement, la victoire leur tend les bras. Ouais, oui. Mais attention, le temps file. Il faut mieux utiliser le ballon. Le bon dribble.
Un centre tendu à terre. Maintenant, il fallait laisser l'action hors jeu. Mais non, on va... Ouais, ok, si tu veux. C'est terminé, l'arbitre siffle la fin de cette rencontre. Un petit but à l'issue de cette rencontre, c'est largement suffisant pour Fallon Bonheur. Il s'impose. Alors, votre analyse sur cette rencontre ? Lorsqu'on est solide derrière, qu'on ne prend pas de but, alors ça donne confiance à toute l'équipe. Bah oui. Toi, viens de là. Sauf que là, je me suis pris un bon carton rouge. C'est terminé pour cet après-midi, on se retrouve très vite. Bah, dans quelques instants, avec le deuxième match de cette vidéo. Voilà, donc comme vous avez pu voir, nous allons jouer avec le Stade de Reims. Donc nous allons aller dans les plans de jeu. Nous allons essayer de mettre... il est même pas là, le truc. Écoutez, on va essayer de mettre... Ah, mais allez, con... On va essayer de mettre, voilà, lui, par exemple. Lui, on va l'enlever, on va essayer de mettre. Bah, non, c'est bon. Voilà, ok, super. À mon avis, Bernard Lopez, il a dû quitter le RC Lens en fait, parce que je ne le vois plus du tout. Donc, c'est Lendrick qui le remplace. Bon, bah, on va essayer de. Ah, j'aurais dû changer la composition, enfin la tactique. Je vais essayer de le faire là. Sur le match. Bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce match qui va débuter dans quelques instants. À l'affiche aujourd'hui, le Stade de Reims contre le Racing Club de Lens. Grégoire Margoton au commentaire avec sans doute l'anglais préféré des Français. Darren Tulette. Bonjour Grégoire. Ah bah c'est pas mon anglais préféré. Ce match à tes côtés. Ta gueule. Je vais jouer en... Comme ceci. Allez, on va voir. Ah oui, non, mais ça, on s'en fout. Allez. C'est parti pour cette rencontre. Eh oh, oh, oh. Attends, eh oh, oh. Il a trébuché sur cette intervention. Ouais. C'est joué long, c'est dangereux. Repiqué dans l'axe, peut-être. Oui, il peut frapper là. À côté. Ah, Laurent, c'est bien. C'est pas possible. Le plus dur a été fait. Il s'était mis en position de tir et il manque son dernier geste. Bah, c'est bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Vas-y, t'excites pas. Hein, truc machin chouette. S'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Le Stade de Reims, qui s'était imposé lors de la dernière confrontation entre les deux équipes, espère bien remporter une nouvelle victoire aujourd'hui. Bah, nous l'espérons. Premier corner du match. Il met la tête. En but pour le Racing Club de Lens. Ça, c'était génial. Quel sang-froid quand même pour échapper à la défense et conclure cette action.
Il utilise toute sa puissance pour résister à la charge avant de déclencher son tir. Bravo. Bravo, félicitations. Chantôme, qui en est désormais à 3 buts dans ce championnat. Bon, c'est bon, on l'a vu. Non, on ne s'attendait peut-être pas à une ouverture du score si rapide dans ce match. Le Stade de Reims, qui peut être fier de sa défense, c'est la plus hermétique du championnat. Il tente de la jouer dans l'espace. Il continue. Une très longue passe. Ils sont patients dans la construction, mais il faut faire la différence. Bourse. Passe dans la profondeur, il tente sa chance. Et il n'y avait personne au milieu. Une très grande ouverture. Il la joue dans la surface. C'est une occasion, ça. L'assistant lève son drapeau. La prochaine. Ouais, vas-y, la prochaine fois, prends une tente. Hein. Il n'arrive pas à se rapprocher de vous. Il faudrait se projeter un peu plus pour être dangereux. Mais il continue sa course. Le bon dribble. Un centre. Non. Tu n'auras pas le but. Eh non. Il cherche son coéquipier. Putain, elle m'énerve, elle a fait danger. Oh, la frappe. Aucun danger pour le gardien. Ça va sûrement faire réfléchir à la défense. Presser plus haut ou laisser des adversaires tirer de loin. Bonne intervention, ça pouvait créer. Mais non, bah oui, mais ça va créer le danger parce que là. Je vais défoncer le gardien, regarde. Défoncer le gardien. Et l'arbitre qui met un terme à cette première période. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Oui, mais comme. Il a vraiment trouvé son rythme dans cette partie, ça combine bien, il y a de l'application dans les gestes et personne n'a peur de tenter sa chance, c'est bien. Le Racing Club de Lens qui rejoint les vestiaires avec ce petit but d'avance et ça fait toute la différence pour le moment. Bien, le jeu a repris, vous l'aurez déjà constaté. Oui, et je me demande comment ils vont aborder cette deuxième période. En cherchant à faire le break ou en tentant de défendre leur avance. Est-ce qu'on peut assister à un deuxième but sur corner après celui de l'ouverture du score? Mais oui, un deuxième but, ça sera nickel. Il la tente. Il manquait pas grand chose là. C'est vrai que c'est pas passé loin du tout. Hein. Il a fini de s'échauffer, il va pouvoir rentrer en jeu. Ah, on devrait voir un petit peu plus de spectacle, de dribbles et de vitesse. Quel timing dans l'interception, quelle passe. Oui, il y avait bien faute. Et oh, c'est. Eh, attends. Ça, c'est une faute, d'accord. Féliciter sa défense. Elle n'a pas cédé au cours des 5 dernières journées. Le Stade de Reims qui semble contrôler l'avancée. Faut tirer là. Pas loin, mais ça ne rentre pas. Ouais, on contrôle rien du tout là, en fait. C'est ambitieux, c'est sûr. Mais à cette distance, il aurait fallu un exploit pour battre le gardien. On sait de quoi il est capable. L'équipe entière tourne autour de lui, c'est clair. C'est clair, à la limite, l'équipe joue pour lui. À chaque fois, il dit toujours pareil. Je connais tout par cœur. Hein. Bourse. Le Stade de Reims qui cherche l'étincelle. Et ils vont effectuer cette touche.
Chantôme qui est récompensé de son pressing. Pour trouver la faille dans la défense. C'est intercepté, un peu d'air pour la défense. Voilà, allez hop, dégage. Une belle échappée, dommage pour la conclusion. Putain, mais c'est pas vrai ça. Le stade de Reims qui essaye de construire. Tant qu'on le garde dos au but, il est inoffensif. C'était bien défendu ça. Il est passé. Difficile. Oh, l'aspiration. Et c'est un but. C'était Elle était trop belle. Elle était trop belle. Eh ouais. Ils ont été très rapides et décisifs à la récupération du ballon. Voilà, c'est comme ça qu'on mène une contre-attaque. Le stade de Reims qui effectue un changement. Le premier changement n'a pas franchement été décisif. Alors là, l'entraîneur abat sa deuxième carte. Le tableau d'affichage indique désormais 2-0. L'arbitre a sifflé, faute. Mais non, il n'y a pas faute, je l'ai juste accroché la cheville. Et cette faute sera sanctionnée d'un carton jaune. Il y en a qui disent que parfois une faute peut être un mal nécessaire, mais là, ce n'était franchement pas le cas. C'est reparti, ils peuvent contrer. Accélère. La frappe, attention. La parade, superbe. Comment a-t-il pu manquer ça? La clé, c'est qu'ils ne baissent pas la tête. S'ils continuent à se créer des occasions, ils peuvent encore revenir dans ce match. Oui, on peut toujours revenir, toujours. Ça peut être dangereux. Oh, but. Oh oh, et 2-1, ça va, c'est pas non plus une catastrophe, hein. Pas du tout même. Hein. Aussi à condition d'être patient. Il glisse le ballon en profondeur. Il y a peut-être un coup à jouer. Il faut frapper là. Il est allé au bout de son action. Bien joué. Quelle inspiration. Repiquer dans l'axe comme ça, c'était génial. Oh, c'était pas loin. C'est un cauchemar pour les défenses. Et si on veut le marquer individuellement, eh bien on prend le risque de laisser des espaces pour ses coéquipiers. C'est joué long. Il va falloir beaucoup plus de percussion, beaucoup plus de permutation et surtout de la vitesse avant que l'arbitre ne siffle la fin de ce match. Il s'est récupéré facilement. Ils obtiennent un coup franc. Oh putain, mais c'est abusé là, sérieux quoi. Allez, le match est fini là. Directement. L'ouverture lumineuse. Voilà, allez hop. C'est terminé, l'arbitre siffle la fin du match. Oh, évidemment, ils auraient aimé gagner avec une marche plus importante, mais l'important, c'est d'empocher cette victoire, c'est de s'imposer à l'arrivée. Alors, votre analyse sur cette rencontre? C'est une équipe qui possède d'excellents joueurs dans l'axe, et comme souvent, c'est eux qui ont fait la différence. Exactement. Voilà, Varenne, cette soirée est terminée, et merci de l'avoir vécu à nos côtés. À très bientôt, salut. Ouais. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Nous allons nous laisser là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de laisser
le petit like et le commentaire qui fait toujours plaisir comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas déjà fait et de partager la chaîne sur vos réseaux sociaux. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde. Et nous sommes deuxième dans le classement. Chose à savoir. Bon, enfin bref.